d'entre nous ont des préjugés envers les mannequins. Nous les associons à la beauté superficielle, aux problèmes alimentaires, aux mauvaises influences et des fois même à la stupidité. Nous savons rarement ce qu'il se passe réellement derrière les photos lustrées des magazines ou des défilés. Nous nous sommes donc dirigés vers les agences montréalaises Folio, Montage et Next afin de découvrir le monde des mannequins. Bonjour, je suis Soko Tomina, j'ai 17 ans, je suis un mannequin d'Allemagne. Sometimes I thought like the girls are a bit arrogant and like think they're something better than normal people or normal girls. Some people that weren't interested in me before, now they're interested in me, you know, they contact me, you know. I think the women's fashion is a bit broader, like, try more things and everything, like, I think it's a bit broader, the women's fashion, and men's fashion is a bit, like, more small, you know. One guy, he's a bit anorexic, you know, he doesn't eat bread, he doesn't eat this, like, he only eats vegetables and some, like, lean meat. I would say that we just have a nice body, but we're silly, you know, but it's not true at all, you know, and yeah. That's the most common prejudice. Difficulties are that you have to have a nice body. You have to have a six pack, to have like nice arms and stuff, you know, you have to be thin. And you also have to have like, nice skin. Yeah, I have to cream and moisture my skin. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans et je suis mannequin pour l'agence Folio. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de drogue là, pour les mannequins, je sais qu'il y a des problèmes de santé, tout ça. Là. L'anorexie, je sais que ça rend présent, mais le monde de la mode, j'ai toujours trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment important que la fille ait confiance en elle, parce que même si, justement, moi, j'ai pas eu de problème, on m'a jamais fait comme des commentaires négatifs et tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de compétition. Maintenant, je le sais qu'il y a des préjugés qui sont vrais, mais en même temps, je suis capable de voir, quand je vois une photo, je vois vraiment tout le travail qu'il y a derrière, genre je peux voir, tu sais, je sais à quel point c'est quand même, des fois c'est difficile d'être mannequin, puis je sais que, tu sais, il faut quand même, tu sais, on n'est pas tout stupide. C'est sûr que ce serait bien que les mannequins soient moins minces, mais je pense qu'en fait, c'est pas une généralisation, parce que je pense qu'il faudrait que les mannequins soient différentes les unes des autres, parce que maintenant on recherche vraiment un standard de beauté qui est comme vraiment comme délimité vraiment précisément, comme tu sais, il faut être grand, il faut être mince, il faut avoir des cheveux longs, tu sais, des plein de trucs comme ça qui sont quand même pas importants. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une plus grande diversité dans les corps des mannequins, parce que c'est pas, je trouve que, en plus je trouve que ce serait bon pour le commerce et tout ça, parce que il y a des marques que leurs vêtements sont pas faits pour des filles qui sont faites comme moi. Plein de fois, on m'a dit que j'étais trop mince. En fait, j'ai pas pu faire la semaine de la mode de Montréal parce que je suis allée à 5 castings. Puis il y en a 4 qui m'ont dit que leur vêtement était trop grand pour moi. Il y en a une qui m'a dit mon extra small, c'est du extra large pour toi. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 16 ans et je travaille pour l'agence Next. Quand tu vois une annonce ou une publicité, c'est sûr que tu vois les filles qui sont toutes belles, minces. Puis moi, dans ma tête, j'étais vraiment sûre que c'était complètement du Photoshop. Puis dans le fond, elles étaient pas belles. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, si on veut, qui disent ça, dans le fond, que les filles, au départ, sont pas très belles. Puis c'est vraiment avec le Photoshop que là, elles deviennent des « wow ». Mais ouais, donc je pensais vraiment ça, en fait. C'est sûr que si tu regardes un défilé, comme par exemple les défilés à New York, ou à Paris ou à Milan, les filles sont super, vraiment très maigres. Parce que c'est un peu des standards qui leur sont imposés, mais ça c'est vraiment surtout les filles qui font les runways. Je dirais que les filles qui font plutôt du commercial, genre des éditoriales dans les magazines, habituellement sont pas si minces, sérieux. Donc je dirais que c'est pour ça que le monde pense vraiment que toutes les filles sont anorexiques, parce qu'ils regardent un défilé et sont comme « oh mon dieu, c'est terrible », mais ils sont pas tous comme ça. Il y a tellement de travail, puis des fois on peut passer des journées complètes, 8 heures sur un set, puis dans le fond, ils vont juste prendre comme une photo. Moi, ça m'est arrivé tellement souvent de sortir d'un studio à comme 8 heures du soir. Puis t'es, ça a l'air de rien, mais t'es crevée, t'es morte. C'est pas comme si tu faisais vraiment, tu sais, tu te dis, bon, tout ce que je fais, c'est me lever de ma chaise, aller prendre des photos, revenir. Mais c'est un peu un stress aussi, parce qu'il faut toujours, premièrement, que tu sois toujours très concentré. Tu peux pas te permettre de tomber dans l'hiver, puis genre,
faut toujours que tu sois là, toujours à ton meilleur. Donc, je disais à Montréal, on n'est pas à New York, on n'est pas dans le centre de la mode vraiment. Je dirais que c'est sûr qu'il y en a qui font de la drogue, là, qui prennent de la drogue, mais je veux dire, je sais pas, je pense pas que c'est si commun que ça. Mais oui, c'est vrai à New York, dans les places comme ça, où les filles. Donc, je pense parce que les défilés sont tellement intenses, puis c'est tellement. C'est ça, c'est tellement intense. Je veux dire, des fois, ils font comme 7 défilés par jour, puis ils peuvent pas se permettre de vraiment avoir un lac d'énergie. Puis donc, c'est un peu pour ça, je pense qu'ils. Justement, prennent des drogues, c'est vraiment pour toujours être éveillé. C'est sûr qu'il y en a qui sont capricieuses. Puis, absolument, les stylistes, les photographes, ils ne tolèrent pas ça, puis ils ne vont pas la rebooker. Parce que, ah, ouais. Malheureusement, malgré de fausses rumeurs, quelques préjugés restent vrais. Comme dans tous les autres milieux, la drogue et l'anorexie sont présents. Mais cela ne justifie pas les préjugés envers les mannequins et la drogue, ainsi que les problèmes alimentaires. Certes, le domaine de la mode amène beaucoup de pression et de stress pour ses acteurs, mais cela reste un milieu de créativité et de passion pour le monde entier.